Les confidences littéraires ont la chance d'être aujourd'hui avec l'écrivain Arthur Larue à l'occasion de la sortie de son roman La Diagonale Alekhine, publié aux éditions Gallimard. Bonjour Arthur Larue. Bonjour. Arthur Larue, vous avez enseigné pendant 4 ans la littérature française à Saint-Pétersbourg. C'est exact. C'est juste. Vous quittez votre poste en 2013 à la suite de la publication de Partir en guerre, votre premier roman, qui témoigne de votre vie clandestine avec le groupe d'artistes dissidents Boina. Tout à fait. En 2019, à travers un détournement des codes du genre policier, paraît chez Gallimard votre deuxième roman Orlov la nuit, qui évoque le crash de la Malaysia Airlines en Ukraine, ainsi que l'œuvre du théoricien russe Nikolaï Orlov. Tout à fait. Vous vous essayez également aux nouvelles, c'est ainsi qu'Amen est plus immoral que Richard Wagner et Jack l'Éventreur, dont j'adore le titre quand même. Paraissent et présentent respectivement des aspects de la vie du poète Daniel Arms et du joueur d'échecs Alexandre Alekhine. Une porte est ainsi ouverte sur l'incroyable destin de ce dernier, dont vous continuez à creuser le sillon en publiant La Diagonale Alekhine, roman pour lequel nous sommes ensemble aujourd'hui, qui raconte les 7 dernières années de la vie de cet homme qui fut champion du monde d'échecs de 1927 à 1935 et de 1937 à sa mort mystérieuse en 1946. Mmh. Les critiques en sont élogieuses. Pour preuve, on serait en septembre, peu importe l'année, on parlerait de favori pour le Goncourt. La revue Europe Échec considère que le roman marque l'entrée d'Alekhine et de ses contemporains en littérature. Arthur Larue, vous, fait montre d'une plume brillante et parfois tranchante comme un rasoir, ou encore un roman fascinant fait de ruptures de style et de rythme qui témoigne d'une nouvelle réussite d'un écrivain singulier. Alors de quoi s'agit-il? Russe blanc, né en 1982 à Moscou, naturalisé français en 1927 et mort en 1946 au Portugal, Alexandre Alexandrovitch Alekhine devient champion du monde d'échecs en 1927. Il domina le monde des échecs pendant toute la période entre 29 et 33 et réalisa l'exploit de se classer premier sans interruption. Ayant perdu puis regagné son titre, Alexandre Alekhine, alcoolique et grand fumeur, joue sa vie comme ses parties d'échecs en allant de victoire en victoire et de continent en continent, entretenu par sa quatrième femme, Grace, d'origine américaine, artiste peintre à ses heures perdues. Pourtant, à Buenos Aires en 39, la guerre le rattrape, il est mobilisé, sommé de rejoindre Paris d'où il assiste à l'effondrement de son pays d'adoption. Il se retrouve ainsi dans l'étau de la collaboration quand l'Allemagne envahit la France en 40, manipulé et instrumentalisé par les nazis, disposant de sa célébrité et de son aura, qui le somme de dénoncer ses concurrents et grands maîtres juifs. Il va donc s'isoler de plus en plus, rédiger des articles qui font le tour du monde, contribuant à sa légende, sa mauvaise légende. Il collabore et s'acoquine avec Hans Frank et Joseph Goebbels en participant au tournoi des territoires du Reich en Allemagne, en Autriche, en Pologne et à Prague, se réfugiant ensuite en Espagne. Lorsque la guerre se termine, il trouve refuge dans le Portugal dictatorial de Salazar. Seul contre tous, l'imbattable champion joue sa dernière partie jusqu'à sa fin mystérieuse. Cher Arthur, vous nous proposez là un livre d'une puissance rare, éminemment romanesque et remarquablement documenté, porté par une écriture ciselée d'une force inouïe qui nous laisse chaos et le souffle court. Alors, cher Arthur, j'aimerais que vous nous parliez de la genèse de votre livre et de l'obsession pour cette Alekhine. Alors, la genèse de ce livre, ça a été beaucoup de rêveries, sur source, à savoir la lecture des livres d'échecs, des recueils de parties et des commentaires de parties d'échecs d'un certain nombre de joueurs de la génération d'Alekhine, mais même au-delà. Et puis, c'est précisé au cours de, finalement, de longues années, puisque à peu près en cumulant, je pense, toutes les années de recherche, je pense qu'on est à peu près entre 5 et 6 ans. C'est, pour ainsi dire, préciser un goût, une fascination, un intérêt pour ce personnage d'Alekhine. Je crois que finalement, si je parle beaucoup d'échecs avec lui, je suis bien obligé de le faire, j'aurais pu parler de littérature dans le sens où Alekhine est peut-être un portrait en transparence d'écrivains qui m'ont beaucoup marqué et qui ont eu à peu près les mêmes problèmes que lui. Je pense en particulier à Louis-Ferdinand Céline, que j'ai énormément aimé, dont j'ai énormément lu l'œuvre, et qui a marqué, je dirais, mon entrée
en littérature, dès mes premières lectures et puis presque mes lectures exclusives pendant de nombreuses années. Alors, il s'agissait pour moi, à travers ce personnage d'Alekhine, de régler, si tant est qu'on puisse le régler, puisque finalement, en fait, ça ne se règle pas, mais d'approfondir une terrible ambiguïté qui est celle d'admirer et de haïr en même temps, d'être absolument honorable et génial, et lamentable et faible, en même temps, dans le même homme. Ça continue de m'interroger. Et ce roman est né, je crois, de cela. Les échecs sont finalement, à bien des égards, un langage d'une sophistication certes moindre, mais peut-être comparable avec celle du langage humain, de la langue française par exemple en particulier, puisque c'est un jeu qui bénéficie d'une très très grande profondeur du fait du nombre de ses probabilités, de ses variantes. Et donc, Alekhine, je l'ai abordé comme un artiste, ce qu'il a été quelque part. Artiste d'un langage assez cryptique pour le non-initié, bien sûr, mais enfin, un langage. Alors, pourquoi ce livre pour toutes ces raisons. Alors, je tiens à préciser quand même pour les lecteurs qui vont vous lire après cette interview qu'on n'est pas obligé de jouer aux échecs pour lire et Non, dévorer. absolument pas. Voilà, Non, donc absolument pas. non, je Non, précise juste ça. absolument. Oui, Donc, tout à fait. vous êtes vous-même joueur d'échecs? Oui, je suis un joueur d'échecs passionné, mais finalement assez médiocre. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vos personnages. Oui. Il y en a quand même un qui est son ennemi juré. Est-ce qu'on pourrait en parler? De De Capablanca? Capablanca. Oui, Capablanca, qui est le surdoué, c'est ça. l'inné, Oui, exactement. à l'opposé Oui. précisément d'Alekhine. Est-ce que vous pourriez donc développer, en tous les cas, le rapport entre les deux? Oui, Alekhine est un peu le premier joueur professionnel, dans le sens où les échecs, c'est une raison de plus pour considérer les échecs comme un langage à part entière, sont toujours l'expression de l'époque dans laquelle ils se trouvent. Et Alekhine a incarné le passage d'une époque à une autre, où le jeu d'échecs était un jeu de gentleman de salon et est passé à un sport, je dirais, d'académie. Alors, Alekhine se place presque au moment où le jeu change de nature, où du fait de la production intellectuelle autour des échecs, des théories, l'approfondissement de la théorie des ouvertures, des finales, et des découvertes scientifiques aussi, mais même des découvertes plus largement intellectuelles, je pense à la révolution psychanalytique, Alekhine a été, je dirais, le premier joueur travaillant. D'accord? Travaillant, préparant, très sérieusement, analysant ses adversaires, même s'ils le faisaient tous, Alekhine l'a fait avec un degré, je dirais, professionnel. Capablanca est cette forme de génie inné, en effet, la légende, elle est vraisemblablement très vraie, aurait appris simplement en regardant son père jouer aux échecs à l'âge de 4 ans, et il a dominé le monde des échecs, lui, disait-il, sans jamais ouvrir un livre d'échecs. Il y a une scène, enfin une scène, il y a un passage dans votre livre d'ailleurs qui est. Je dis une scène parce que c'est tellement cinématographique, mais il y a un passage dans votre livre magnifique justement avec Capablanca qui est tout jeune, qui a 4, 5 ans. Il a 4 ans, oui. Mais il a 4 ans, c'est absolument incroyable. Oui, Donc. elle est vraie cette scène, et même elle, en fait, d'ailleurs, pour ceux que ça pourrait intéresser, qui auraient de jeunes enfants, les échecs sont à ce point un langage que finalement, si on se met à manier ce langage jeune, on le fait plus volontiers sien. Je veux dire par là Presque comme une que. langue maternelle. Exactement. Et donc, si vous voulez, je dirais, faire de votre fils ou de votre fille un joueur ou une joueuse d'échecs, vous lui donnerez beaucoup de facilité à lui faire pratiquer les échecs très jeune. Voilà. Alors Capablanca, il était sûrement presque l'opposé en tout d'Alekhine, ce qui rend leur confrontation éminemment dramatique, encore peut-être plus dramatique que celle de Karpov et de Kasparov, qui étaient aussi deux oppositions de caractère dans une situation géopolitique. Ils incarnaient l'un la vieille Union soviétique, l'autre l'explosion de l'Union soviétique, un certain nombre de choses. Capablanca était un homme à femme, un homme très à l'aise socialement, c'était un diplomate. Alekhine était certainement quelqu'un de très ténébreux, de très
Bon, concentré uniquement sur les échecs, il n'était pas tellement homme à femme, voire vraiment pas. Et donc, tout les oppose, je veux dire, dans la vie et dans le style de jeu également, par exemple. Alekhine était un joueur au style très brutal, au génie très assassin, très empoisonné. Capablanca était le genre d'homme à gagner sur les finales, longuement, gagnant sans que vous ayez eu l'occasion de pouvoir vraiment jouer. Il vous menait très, très logiquement à votre défaite. C'était un homme qui, par exemple, le seul livre qu'il a publié, c'est Principes fondamentaux du jeu d'échecs. Or, Alekhine est celui qui s'oppose aux principes au jeu d'échecs. Alors voilà, tous les opposent. Alors pour un romancier, c'est bien évidemment une opportunité extraordinaire, puisque vous avez un peu un combat quasiment entre le bien et le mal, dans le sens où Alekhine, de façon caricaturale, incarnerait le mal, puisque c'est un génie un peu faustien, c'est-à-dire qu'il aurait vendu son âme pour posséder le pouvoir de vaincre Capablanca. Capablanca n'a vraisemblablement rien vendu, ça lui est venu d'une forme de grâce. Alors parlons de la part d'ombre d'Alekhine. Il arrive en France, la France est occupée, que se passe-t-il avec les Allemands? Les Allemands, bon, les Allemands ont à peu près tous les torts, enfin en particulier le régime nazi, mais il y avait une chose qu'ils ont presque inventée, c'est la notion de propagande. Et les Allemands avaient tout intérêt à faire croire au monde qu'un monde nazi était possible et que les activités de l'esprit pouvaient continuer de façon tout à fait habituelle. Ils l'ont fait avec la littérature, mais ils l'ont fait aussi avec le jeu d'échecs. Alors, comme Alekhine était citoyen français, que la France était occupée et qu'il se retrouvait donc en territoire du Reich, ils ont tout simplement fait une sorte de pacte avec lui. Ce que j'exprime dans le roman, je l'exprime de façon romanesque, mais je crois que c'est à peu près ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout ça est fondé quand même sur une recherche historique assez approfondie, même si c'est après traduit et transposé dans le roman. Ce qui a dû se passer, c'est qu'ils ont joué avec un vieux fond antisémite, qui est une opinion à l'époque assez courante, hein. On est antisémite comme on est communiste, ou comme on est... C'est assez banal, hein. Il y a des discours à l'Assemblée nationale française avant l'occupation, bon, voilà, ouvertement antisémite, et même si c'est écrit dans le procès-verbal de l'Assemblée, on est capable de considérer qu'un juif n'est pas tout à fait français. Donc il y a des choses de cet ordre. Donc dans la tête d'Alekhine, qui est donc un Russe blanc dans laquelle le régime tsariste était assez antisémite, il a inventé par exemple une chose qui s'appelle le protocole des sages de Sion, qui est un document faux tendant à prouver que les Juifs ont organisé une sorte de complot mondial pour dominer le monde et asservir les hommes, a été produit par les services secrets du tsar. Alors dans l'aristocratie russe, l'antisémitisme est une chose assez courante. On connaît la tradition des pogroms, ce genre de choses. Donc quand les nazis parlent à Alekhine pour lui dire qu'il faut dire du mal des juifs, ils entendent, je pense, ils trouvent finalement un homme qui est opportuniste par nature, qui est vaguement antisémite et qui se trouve à écrire des articles lamentables tendant à prouver la supériorité du jeu arien sur le jeu juif. Je dois là préciser la très grande différence de nature entre les textes. Alekhine a publié 18 livres de son vivant. Ces 18 livres sont des livres remarquables sur le jeu d'échecs. Les articles en question, donc les articles antisémites d'Alekhine, qui sont aujourd'hui encore publiés, sont des textes de combat, c'est-à-dire que aucun joueur d'échecs sérieux ne trouverait de progrès quelconque dans ces articles. Ce sont des œuvres de combat, c'est-à-dire des œuvres qui visent à annihiler l'adversaire, en l'occurrence les Juifs.